Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien quelque part. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, The Devil's Daughter Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. J'ai bien fait de venir vous prêter main forte à la taverne, Holmes. À vrai dire, j'aimerais que vous arrêtiez de m'aider. La raid de police 92 est liée à Jack Gold, dit le marteau. Le célèbre raid de police contre la bande de Westmaster. Le célèbre détective privé Sherlock Holmes, en collaboration avec Scotland Yard, a dirigé une attaque contre l'une des bandes les plus dangereuses et influentes de Londres, la bande de Westmaster. Hélas, mais sans surprise, la police n'a pu opérer délicatement au cours des raids. Un innocent a été gravement blessé. Il s'agit de Egan Cole, qui s'avère être le frère du bandit Jack Cole. Les médecins s'efforcent de le sauver, mais n'ont guère espoir de réussir. La police a réussi à arrêter trois membres de la bande, mais leur chef, Jack Cole, a été relâché par la suite, faute de preuves concrètes. D'après la rumeur, la bande aurait d'importantes relations politiques, notamment avec les juges, des politiciens et des officiers de police, mais la véritable justice ne craint rien, à moins que ne soit plus le cas. Et voilà. William Hamilton, en 1880, est arrêté par Sherlock Holmes, mais il est mort par la suite. Évasion ratée de la prison de Newgate. Quatre prisonniers ont rampé dans une étroite canalisation d'évacuation afin de s'évader de la prison de Newgate à Londres. L'opération, qui s'est déroulée deux jours, était bien préparée, mais a fini par échouer grâce à la pompréhension de la police. Deux prisonniers ont été tués et un autre envoyé en prison. L'un des prisonniers décédés était l'ancien baron du crime de Londres, William Hamilton. William Hamilton avait été arrêté en 1875 au cours d'une opération de Scotland Yard, menée par l'inspecteur Lestrade. Pendant cette enquête, le détective consultant Sherlock Holmes avait joué un rôle capital. Après l'arrestation de Hamilton, son épouse étant décédée, la fille a été confiée aux bons soins de sa tante. Et voilà. Ah, l'imbécile peut aller voir, ouais. Mes archives. Je peux toujours les... Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Okay, je pensais que... Numéro 5. Notre suspect avec sa famille, près de leur maison. Il y a quelque chose en haut de la porte. Oh, first of all.
On s'en met ici. C'est même craque dans la brique. C'était 5. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. La mère de Jérémiah est une femme très pieuse, d'âge mûr, elle vit très retirée et sort rarement de chez elle. Son logement contient des images et symboles religieux. Elle est myope et porte des lunettes à forte correction. Je viens voir votre fils. Jérémiah, il n'est pas encore rentré. Puis-je vous poser quelques questions à son sujet? Puis-je entrer? Je ne vous connais pas, monsieur, mais je dois vous demander de partir. Elle ne voudra pas parler à un inconnu. Désolé, je travaille. Je ne peux pas ouvrir. C'est pour gagner la confiance de la mère de Jeannette de rentrer chez elle. Divisé en quoi? Conducteur? Je m'appelle Sherlock Holmes. C'est mon travail de savoir ce que les autres ignorent. Restez là, ne faites plus rien. En ce qui concerne la détection, la recherche, c'est moi, la suprême force.
Je devrais d'abord aller voir Wiggins. Il est toujours sur Baker Street. Il n'y a rien de plus trompeur qu'un fait évident. Wiggins, un exorcisme, protocole 2-5, sur Lambeth Street. Compris. On y sera, patron. Le mort d'un coq a donné lieu à deux meurtres au cours de l'altercation qui a suivi Dick Moller. L'homme accusé d'avoir tué Lady Gallinacée a reçu une blessure fatale à l'arme blanche. Et son père, venu à son secours, a été battu à mort. Les frères Dubois, tous deux coupables de ces abominations, meurtres sont depuis détenus au Scotland Yard. On est prêt, monsieur. On est prêt, monsieur. Quelqu'un a fermé la porte. Il faut que je trouve le moyen d'attirer l'attention de la mère de Jérémiah. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, car l'ire est le chemin vers le mal. Merci, mon père. Vous êtes trop bon. Les enfants nous causent bien du souci. Mais où sont mes manières? Puis-je vous offrir une tasse de thé pour vous remercier? Je ne sais pas si... Dieu vous bénisse, ma sœur. Je m'appelle Margaret Thorne. C'est une chance que Dieu vous ait envoyé à moi. Vous semblez peinée, ma sœur. Est-ce à cause de ces enfants? Oh non! C'est mon fils, Jérémiah. Je crains qu'il n'ait commis quelques péchés, mon père. Comment cela? Je ne sais pas. Il est devenu nerveux, colérique et grossier. Lui, qui était si gentil, on ne le voit pratiquement plus. Il délaisse même sa petite sœur Jeannette. Il disparaît dans sa chambre. Il ferme la porte à clé. Et il n'ouvre à personne. Où est votre fils? Je ne sais pas où il est. Il n'est pas rentré de la nuit. Je suis très inquiète. Peut-être a-t-il été retenu à son travail. Que fait-il au juste? Je ne sais pas s'il travaille, mon père. Quand je lui demande, il se met en colère et refuse de répondre. Peut-être est-il sous l'influence de mauvaises fréquentations. Je ne sais pas. Il ne me parle jamais de ses amis. J'ai peur qu'il soit possédé par le diable en personne. Depuis quelque temps, je ne le reconnais plus. Il ne me dit rien. Il se met en colère et il me crie dessus. Je ne sais plus quoi faire. Ne vous tourmentez pas, ma sœur. Vous avez bien agi. En vérité, je sens la présence du démon dans ces murs. Oh, mon Dieu! Permettez-moi, ma sœur, de chercher ce démon. Dieu vous bénisse, mon père. Je vous en supplie, mon père, aidez-nous.
bibliothèque et livres, bois et mots possédés. Chassez vos démons littéraires. Mon père, c'est le démon. Disparaissez et que vienne mon père, c'est le démon. Mon père, c'est le démon. Oh, esprit saint, préservez vos casseroles des démons et des mauvaises Mon père, c'est le démon. Fenêtre, chambranle, je dois vous protéger des morsures démoniaques. Je vous en supplie, mon père, aidez-nous. De bois, poignée de fer, affrontez le démon, vandale impie. Ma sœur, voyez, le démon s'est réfugié dans la chambre de Jérémia. Je dois y entrer, seul. Le Seigneur nous protège. Attendez-moi dehors, ma sœur. Le combat sera féroce. Que Dieu soit avec nous. Je vous laisse. Prévoit de quitter Londres ? Avec une telle bobine, on peut construire une bombe. C'est sans doute Janet, la sœur de Jérémia. Un plan de montage pour une bombe artisanale. Ces preuves suffiraient à mettre Jérémia derrière les barreaux. Cette lettre semble avoir été déchirée de rage. Je vais recoller les fragments pour lire son contenu. Bon.
Jérémia a reçu une lettre de menace signée le Dar. Salut Jérémia. Je voulais juste te rappeler que ce monde peut être cruel et sans pitié, surtout pour ceux qui tiennent pas parole et finissent par ce qu'ils ont commencé. Ce serait vraiment dommage si quelqu'un que tu aimes, comme ta sœur, finissait dans une maison close. Le Dar. Il était au centre d'une affaire célèbre en 1888. C'est terminé. Le démon est vaincu. Oh, merci. Soyez béni, mon père. Priez pour l'âme de Jérémia et remerciez le Seigneur. Au revoir. Dieu soit loué. Au revoir. La bombe jetée au 221 Baker Street a été fabriquée par Jérémia. Jérémia est la personne que nous avons vue à la taverne et aussi celle qui a essayé de tuer Holmes. Jérémia a été voir Jack le Marteau Cole pour discuter de la tentative de meurtre de Holmes et de l'étape suivante du plan. Jérémia a été voir Cole le Marteau uniquement pour lui apporter des objets volés, sans doute pour les revendre. Le Dar menaçait d'envoyer la sœur de Jérémia à bordel. Au bordel, il avait déjà été impliqué dans un scandale en 88. Sherlock Holmes et Scotland Yard ont arrêté le célèbre chef de la bande de Walworth, Percy Fleming, dit le Dart. Cette bande s'adonnait à des activités criminelles dont l'extorsion, tout en gérant plusieurs bordels, dont le plus célèbre est le White Swan. Allons, l'intervention de la police a créé d'importantes difficultés financières pour la bande, le juge a déclaré le Dart coupable et l'a condamné à 7 ans de prison. Et voilà. Je m'appelle Sherlock Holmes. C'est mon travail de savoir ce que les autres ignorent. Restez là, ne faites plus rien. Problème financier, incarcéré. Percy Fleming dit le Dar est un mobile valable pour tuer Sherlock Holmes, mais il veut se venger de son long séjour en prison et des problèmes financiers qui en découlaient.
C'est les deux gars en prison qui ont tué les... Bonjour, monsieur Lestrade. Monsieur Holmes, toujours en vie. Comme vous voyez, ça a l'air de vous décevoir. Oh, une mauvaise déduction pour une fois. Lestrade, j'ai un suspect dans cette affaire, Percy Fleming. Pouvez-vous le retrouver ? Je vais donner l'ordre à mes agents. Inspecteur, le suspect a été appréhendé. Voilà, il est à vous. Inutile de me remercier. J'aurais pu faire les deux. Jack Cole pourrait avoir attenté à ma vie. Voulez-vous bien l'appréhender ? Entendu, monsieur Holmes. Nous allons procéder immédiatement. Inspecteur, nous avons arrêté le deuxième suspect. Vous admettrez que Scotland Yard se donne du mal pour vous. Mort. Je vous serai beaucoup moins utile. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Bonjour, Percy Fleming, dit le dard. Tiens, voilà le raté. Raté ? Vous avez entendu parler de l'attentat de Baker Street l'autre nuit. Je dirais que je suis plutôt chanceux. Ben, j'en ai rien à carrer. Fleming alias Dart est le chef de la bande de Westwood. Il possède plusieurs maisons closes. Ses affaires se portent bien. C'est un homme aisé. Fleming est un homme excentrique qui suit la mode et prend soin de lui. Sa cicatrice au visage témoigne de sa participation en guerre entre bandes. Le Dart a passé 7 ans en prison à Westgate et n'a pas été libéré. Et a été libéré que récemment. Où étiez-vous il y a 2 jours, vers 1h du matin? J'étais au White Swan. Le White Swan? Votre bordel? Ce n'est pas un alibi valable. Pourquoi j'aurais besoin d'un alibi ? Le nom de Jeremiah vous évoque-t-il quelque chose ? Jamais entendu parler. Et cette lettre de menace, signée de votre nom ? Ah, ça me revient maintenant. Une menace, allons. Juste un petit rappel pour qu'il règle sa petite dette. Question de principe. D'où le connaissez-vous ? Il est toujours à me tourner autour pour quémander un petit boulot. Mais il sait pas se tenir. C'est un imbécile. Êtes-vous en affaire avec Jack Cole, dit le marteau. Oui. Il lui arrive de me fournir des filles. Mais il est pas très futé. Et du genre impulsif. Ouais. À votre place, je me méfierais de lui. Ah bon ? Il m'a raconté ce que vous avez fait à son frère. Alors, faut le comprendre. Ouais, il vous déteste. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger.
Alors, Jack Cole, dit le marteau. Comment on se retrouve ? Ah, pourquoi je suis ici ? Ne faites pas l'innocent avec moi. Vous êtes soupçonné d'avoir tenté de me tuer. Des nèfles, comme au bon vieux temps, hein ? M'arrêter sur une suspicion, vous avez rien ! Ah non ? Vous ne m'en voulez pas d'avoir démantelé votre réseau ? Ni pour ce qui est arrivé à votre frère ? Ça va, parlez pas de mon frère. Votre frère a été blessé dans un regrettable accident. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Je n'y suis pour rien. Quoi ? Espèce de pourriture ! Il est infirme et c'est entièrement votre faute ! Il était innocent ! Un accident, vous dites ? Ah, j'ai vraiment hâte que vous vous fassiez zigouiller ! Quod erat demonstrandum. C'est ça, votre preuve ? Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez mort. Savez-vous ce qui s'est passé à Baker Street cette nuit-là ? Ah, ouais. Mais c'était pas moi. Où étiez-vous au moment des faits ? J'ai passé toute la nuit à mon pub. Je vois. Je suis allé chez vous, et j'ai vu un homme avec un bec de lièvre. Il venait vous voir. Un rendez-vous d'affaires, j'imagine ? Quoi ? C'est un client régulier, c'est tout. Parlons de la mallette que ce client régulier vous a apportée. Quoi ? De quoi vous parlez ? Vous êtes cinglé ! Je vous prie de baisser d'un ton. Parlez-moi de vos affaires avec Percy Fleming. Quoi, Percy ? Je suis pas en affaire avec lui. Non ? Oh. Vous lui fournissez des filles. Il a tout avoué. Bah, il vous a menti. Hé hey, pourquoi tu leur as dit que je te filais des filles pour ton bordel ? Hein ? Mais de quoi tu parles ? Ça va durer longtemps. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez ? C'est un abus. La brutalité personnalisée, comme c'est original. Des cigarettes onéreuses.
Eh bien, c'est plutôt de mauvais goût. Une spintria, utilisée dans les bordels de la Rome antique. On dirait des notes codées. Le texte est chiffré. S'il s'agit de la substitution de César, il sera facile de le décrypter.
élémentaire. Un carnet plein de dettes. Et le nom de Jérémia y figure. Il faut que je trouve un moyen d'entrer. Fermé à double tour.
fermée. On s'est battu ici. Orson a essayé de résister, mais quelqu'un ou quelque chose l'a convaincu de se laisser faire. Il se bat avec les filles, il vole des vieux trucs chers et moi je fais quoi? Longtemps. Détends-toi, Mike. Boulot comme ça, ça se mérite. Combien de temps ça va prendre? C'est déjà 2 ans. T'as rien à changer. Je sais, vieux. Et un de ces jours, le patron va nous remarquer, c'est sûr. Le son du gong pourrait attirer les gardes. Restons prudents. Thank you.
faut filer d'ici. What? Dans ce tout, pour l'aventure de Sherlock Holmes, live sur la chaîne du Caribou. On va voir à quel endroit je débute, là, parce que là... C'est tout pour l'aventure du jeu Sherlock Holmes, The Devil Daughter, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!